Eh bien salut tout le monde, c'est XVSK, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle partie de Alan Wake. Alors je t'ai laissé au début du chapitre 5, oh oui, vas-y, illumine ma bite. Ah non, t'as pas envie finalement, ouais je sais. Elle choque tout le monde, hein. J'y peux rien, hein. C'est de naissance. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un feu à main. Alors. J'ai quand même remarqué que certains m'avaient demandé que je continue Alan Wake malgré que... j'avais décidé de faire un peu autre chose, genre du Left 4 Dead ou autre, mais apparemment tout le monde voulait Alan Wake. Donc voilà, on est de retour sur Alan Wake, hein. Oh merde, quel con, je l'ai utilisé sans le vouloir. Oh, je suis con, mais ça, je me souviens déjà plus. Oh, regardez les ombres, comme elles sont moches. Oh putain, c'était quoi ces ombres de merde. Alléluia. Allez Sarah, viens ici ma cochonne. Ma bonne petite cochonne de cambrousse. Oulalalala. Père, Wake, qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je peux faire? On peut les blesser à la lumière, pas autrement. Je dois trouver Cynthia Weaver. Elle peut m'aider à arrêter ça. À la lumière, ok. Cynthia, elle vit dans la vieille centrale électrique désaffectée. Je peux vous y conduire rapidement dans l'hélico de secours. Allez, on va retourner voir votre ami. Ouh, en hélico... Oh, attendez. Pop. Wheeler, vous devez rester ici. Quoi? Non. On va aller chercher notre carrosse, mais je dois aussi prévenir des amis et je ne peux pas être à deux endroits à la fois. J'ai besoin de vous. Bon, d'accord. Voici une liste de numéros de téléphone. Il faut que vous les appeliez pour leur transmettre un message de ma part. Zone X, d'accord? Sauront quoi faire. Zone X comme la série télé? D'accord. Hé, y a le type de la radio sur la liste. Main. C'est qui, Frank Breaker? Un de vos proches? Mon père. Hé, c'est une société secrète ou quoi? Vous pouvez le faire. Vous serez à l'abri ici, le courant est rétabli. Il faut vraiment alerter ces gens au cas où on ne reviendrait pas. Vous reviendrez quand même me chercher, hein? Dès que l'hélicoptère sera prêt. Merci, Wheeler. Je vous reposerai ça. Très bien, on y va, Wake. Par derrière. Ma gueule de bois a besoin d'une pizza. Tu crois que je peux en commander une, Al? Vas-y, fais-toi plaisir. C'est qu'une pizza, après tout. Oh, il y a un feu là-bas. Casse-toi! Oust! Du vent! J'ai quelque chose là-bas. Ah non, bah y'a rien. Merde! Bon, c'est bon, tu ouvres? Hey, ma cochonne. Vas-y, moi aussi j'ai un pompe. On va. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Oh non! La chose qui a pris Nightingale a dû couper les commandes de la porte. Impossible d'atteindre la boîte de commandes d'ici. On doit atteindre l'autre côté par le toit. J'y vais. J'ouvrirai la porte une fois de l'autre côté. Restez dans la lumière et couvrez-moi, shérif. D'accord? Vous êtes sûr? Bon, d'accord, mais faites vite! Ouais, enfin, faites vite, s'il vous plaît, là-haut. Ah, je suis qu'un pauvre joueur, hein. Bon, faites vite. Bon, bah apparemment, je dois passer par ce truc là-bas. Ah, je me disais bien que cette échelle allait me servir à quelque chose un jour. Oh putain, encore étage de sperme noir. Bon. Et hop. Allez. Un petit tour est puissant. Je monte les échelles tel un hamster. Eh oui, je dis n'importe quoi. Allez, c'est bon. Ouais, tâches de sperme, on va les oublier. Bon, logiquement, je peux passer. Ça sert à quoi de mettre une tâche de sperme, ça sert à rien. Ouais. Ouais, d'accord. Je saute, c'est ça. Vas-y, cochon. C'est même pas fait mal. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, le retour des corbeaux. Allez, mourez. Ah, j'ai pas le temps de les finir, malheureusement. Lal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 a. On va pas s'entendre, y'en a trop. Oh putain. Allez, faut au moins j'en nique quelques-uns là. Ça ira pour ça. Allez, vas-y, voilà. Tant pis, je mets des piles, faut le faire. Ah, sinon j'étais mort. De toute façon. Oula. Moudada, saute. Ouais, c'est bien, voilà. Comme ça, beau gosse. Ah, bah, oula, tombe pas. Zone X, ça veut dire quoi au juste? C'est une blague des gens du coin. On dit que c'est Bright Falls qui a inspiré la série télé à l'origine. Il se passe des trucs bizarres ici parfois, mais jamais à ce point. Il faut réparer la boîte de commande abîmée. Vous me prenez pour un électricien? Attendez!
Alors, on va pirater. Allez, vas-y, pirate. Oh ah, bon sang, ça brûle. Bien joué, Wade. Suivez-moi de près. Premier arrêt, la mairie. Les clés de l'hélicoptère, s'il vous plaît. Ah, m'en fous. D'abord, je vais ici. Hop. Et pas si vous se conne. Chérie, allez, vas-y, avance. Oh putain, non, pas vécu. Allez. Oula, c'est pas ce quoi là, pourquoi je prends des coups? C'est pas ce quoi là. Non. Aïe. Cassez-vous. Ça me laissait un peu de répit comme ça. Voilà. Ah. Allez, on va prendre le revolver. Et on va avancer tout doucement. Oh, je suis Sarah. Allez Sarah, vas-y ma cochonne. Non, c'est moi qui dois avancer, c'est ça. Je te sers de bouclier humain. Pétasse. Hop. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère qu'il va pas revenir. Non, ça va, il a pas l'air de revenir. Allez hop, cadeau. Et toi là au fond. Non, lui je ne peux pas la voir malheureusement. Non, ça va, le véhicule n'a pas l'air de vouloir revenir. Tiens, qu'est-ce qu'il y a gros, hein? Je t'ai super fucké gros. Voilà au fond là. Viens là. Oups. Eh bah elle m'a bien aidé sur ce coup là. Mais tu vas mourir. Bon, faut aller où chérie maintenant? Bon attendez, je reprends mon pompe. Je me sens plus en sécurité avec le pompe. Je sais pas pourquoi. On va savoir. Parce que c'est long, c'est un gros canon. J'ai peur. Ouh là là, arrête de... Qu'est-ce qui se passe là? On ne bouge plus! Quelqu'un d'autre dans le coin? Non? Personne? Ça va. Allez! Alors faut passer par où? Par ici? D'accord. Allez, ouvre ma porte. C'est bien, baby. Baby! Qu'est-ce qu'il y a? Suivre! D'accord. J'ai cru voir un truc en haut. C'est quoi qui est marqué en haut? Sales. Ah, d'accord. Oula! Apparemment, enfin, il y en a un derrière. Hein. Il a dit j'ai trouvé une New Yorkais grossier, mais j'ai même pas entendu ce qu'il a dit donc. Alors, oh des toilettes. Quelqu'un veut aller chier un coup? Vous avez le droit de garder le silence, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Rassurez-moi, elle peut pas mourir cette conne. Je tire au hasard, on sait jamais, hein. Parfois ça peut toucher. Tiens. Non, casse-toi. S'il te plaît. Je ne suis qu'amour. Voilà, c'est bien comme ça. Voilà, boum. Allez, je vais t'avoir. Bing. Ah, nickel. Ah, la puce à bouton. Oh, il y a la lumière. Je suis bon, la lumière. Alors. Ça a l'air un peu plus action là quand même. Ah bah super. Oh bah je vais commander un hot dog là. Oh oui, j'ai une petite faim là. Je sais pas pour vous, mais j'ai une petite faim. Qu'est-ce qu'il y a ici? Wake, par ici! Y'a de la lumière! Ouais, y'a de la lumière, c'est ça, attends. Laisse-moi prendre mes munitions et tout ce qu'il faut avec. J'ai une clé. Ouvrez-moi, Wake. Non. C'est pas à moi qu'il faut demander de couvrir. Ah bah oui. C'est un piège. Bien sûr, c'est un piège, c'est toujours un piège. Vous avez déjà vu des endroits pareils dans une vidéo où est-ce que vous vous dites « Ah ouais, on va être en sûreté et tout, bah non !»
Ah mais. Putain, j'ai essayé d'esquiver, j'ai fait la direction comme on me l'a dit, et ça a rien fait quoi. Merde. Merci. Seulement. Où il sort lui? Ah il a une tronçonneuse lui, allez à l'aise. Oh non. Oh je me suis encore bourré de boutons en plus. Bon, on va employer les grands moyens hein. Tiens cadeau. Voilà. C'est bon. Ah ouais, c'est après moi qu'il en a, d'accord. Voilà, on a eu gros, c'est le plus important. Voilà. Finalement, c'est pas plus utile quand même, ce cochon. Hein. Pour une fois que je tombe sur un bot qui sait jouer. Allez, Wake. Comment ça, allez, Wake? J'ai pas envie de me lever. Oh, elle était naze. Ah, c'est votre voiture? On y va, c'est ça? On prend la voiture? Non? Non. C'est vrai qu'on pourrait utiliser la puissance des phares, mais malheureusement, il faut faire tout un détour, comme d'habitude, hein. Bon, quelqu'un a touché à la boîte à fusibles, mais vous devriez pouvoir la réparer pendant que je cherche les clés. J'ai déjà pris un coup de jus aujourd'hui. Cette fois, je cherche les clés, vous vous faites électrocuter. D'accord. Elles doivent être dans le bureau du réceptionniste, à l'autre bout du bâtiment, près de l'entrée principale. Pigé. Ok, d'accord. Ah bah personnellement, j'aurais préféré prendre le coup de courant. Bon, le réceptionniste, c'est par où? Bon, logiquement, c'est pas ici. Non, je peux passer par là, donc peut-être que je monte. En toute logique. Bon, déjà, il y a un point de sauvegarde ici et il y a une page là, donc ça veut tout dire. Ah, j'ai un ami. C'était un message de Barry. Il s'inquiétait au bureau du shérif. Il voulait qu'on se dépêche. Bah oui, tu sers à rien, gros. C'est quoi ce bruit? Ah, mais oui. Hein, Walker Texas Ranger. Hein. Aïe. Depuis quand tu fais si mal? Et depuis quand je peux pas t'aveugler, espèce de vieux shérif? Regardez les textures. Oh, mais regardez l'ombre. Oh, elle était hideuse, là. Oh là là. Ne me dites pas que vous avez eu ça sur Xbox 360. Oh, la super lampe torche. Oh là là. Oh, 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 grenade incapacitante. Oh oui, oh oui, orgasme. C'est bon, shérif, j'ai les clés. Barry? Pourquoi il est pas dedans? Oh non! Barry, attention! Barry, cours! Il a réussi à entrer, Wake. Il va bien. L'aventure est bloquée. Wake, on va faire le tour. On le retrouvera derrière. Ok. No soucis. Faut toujours qu'il y ait des imprévus hein, dans les Survival Aurora. Un joli statut. On dirait des Canadiens. Je sais pas pourquoi. Peut-être que Bright Falls est Canada. C'est quoi qui est marqué? Trust. Ouais, d'accord. Faites confiance à personne dans le noir. Waouh. Oh putain, allez. Bon, Texas Ranger, s'il vous plaît, arrêtez là. C'est plus drôle. Moi j'en ai marre. Oula, j'ai bien fait le coup dans le cul. Bah, lui en tout cas, il l'a pris bien dans le cul. Oula, oula. Aïe! Je te permets pas, bouffon. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? J'avais vu un truc briller ici, je pensais qu'il y avait une page, mais non. C'est pas grave. On va continuer, hein, notre petite aventure. Admirer ce beau décor. Oh, un point de sauvegarde! On peut passer par la librairie. Hey, Wheeler doit nous attendre dans l'arrière-cour. Fermez-la un peu ou j'appelle le shérif! Oh, salut, Doc! Je m'en occupe, vous inquiétez pas! Sarah! Il était temps que quelqu'un arrive! Cette fusillade ne rime à rien! Un de ces jours,
Ils vont tuer quelqu'un. Et adieu, la fête du cerf. Je sais. Retournez dormir. Il n'a pas tort, Wake. Écoutez, cette ville ne tiendra pas le coup. C'est moi qu'ils veulent. Plus vite je partirai d'ici, plus vite vous pourrez reprendre votre train-train. J'espère que vous avez raison. Allez, laissez-moi ouvrir cette porte. Vous avez les clés de la librairie ? C'est ça d'être le shérif. Les filles adorent fureter. Oh, salope. Eh ben, j'espère qu'il n'y aura jamais de shérif chez moi. Hein. Il profite vraiment de votre présence ici, Wake. Il paraît que votre série Alex Kazet se vend comme des petits pains. Pour l'instant, je ne suis pas un grand fan de tout ce que j'ai pu écrire. Je ne vois pas Barry. Regardez, Wake. C'est peut-être lui. C'est le chemin qui mène à l'hélico. Je comprends pas, on est arrivé, il n'y avait rien. Lui, il est arrivé, il y avait tout sur sa gueule. Attendez, là-bas. Ah, attendez, j'ai... Non. J'ai cru voir un truc qui brillait, mais bon. On prend un café. Allez, allons-y, shérif. Passez devant. Moi, je reste derrière. Je vais aller prier. Ça te paraît bien d'aller prier. Là, apparemment, on va aller prier de toute façon. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire de super lampe torche? J'ai jamais compris pourquoi il y avait une histoire de super lampe torche. Bon, de toute façon, j'ai plus que 3 balles. On va prendre la carabine. Allez, mais prends! Ah, quand même. Ce sera bien décidé, hein, vieux gars. Allez, on y va, cochonne. On va aller faire l'amour devant Jésus-Christ. On va aller souiller son église. Putain, là. Eh, attention, vous pouvez pas prendre de flingue ici. Bah, je crois qu'on va prendre ce droit. Le pasteur Howard va entendre parler de cette serrure. C'est pas vrai. Je lui avais dit de la réparer. Bah, tire dedans, connasse! Super. Putain, t'as un pompe, tire dedans, connasse! Bon, c'est vrai qu'avec ce truc là, ça va déjà plus vite hein, pour les tuer. Hein. Qu'est-ce qu'il passe? Pourquoi tu regardes derrière? Oh merde. L'oméga 3 c'est très bon pour le cœur, bah oui. Ça a été prouvé très scientifiquement en plus. Bon, apparemment y'a un cadeau. C'est vrai que tellement de choses cette arme. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà. Bonjour. Bon, j'ai pas tout ça, chef, mais il me reste plus des masses de balles, hein. Alors si tu pouvais ouvrir cette porte avec ton pompe, au lieu de me faire gâcher mes balles. Ok, c'est ouvert. Allons-y, Wade. Eh bah putain. Oh là là. Qui veut quelqu'un veut prier, c'est le moment. Moi, je vais me repentir de toutes les petites filles que j'ai pu mettre dans mes caves. On les garde allumées toute la nuit qui précède la fête du cerf. On s'en fout de ta fête du cerf. Ben, c'est la tradition. Ouais, les cerfs, ça se bouffe! Avec des petits oignons. Ah. On y est presque. On va devoir passer par le sous-sol pour atteindre le parking. Ouais, c'est clair qu'on ne risque absolument rien en traversant la crypte. Non, oh, une crypte! Justement comme là où je cherche mes enfants. Est-ce qu'on me copierait? Oulalalala, mais c'est qui fait noir ici? Oulala, bonjour monsieur. C'est vrai, j'ai le droit de garder le silence, bah tiens un cadeau. Oh putain, pourquoi y'a pas un shit munition grenade à l'infini? Ah, café. J'ai le café de l'autre côté. On a toujours le temps pour un café, même quand c'est l'apocalypse. Alors, quel côté? C'est quoi ça? D'accord, c'est un feu. Ah, la lumière, ça veut tout dire. Allez, allons à la lumière. Tiens, un coup de pied. Bonjour. Vous avez appelé pour les secours? Non, j'ai rien appelé du tout. Hein? Tu vois, c'est quoi? Celui-là a dû voir la lumière, hein? Oh, Barry. Ça vous a pas plu? Vous êtes difficile. Tant pis, j'en ai encore plein. À quoi servent ces décos de Noël?
C'est une protection, mon pote. Comme l'ail contre les vampires. Les vampires. L'hélicoptère est à l'autre bout du parking, en haut de la colline. Allez! Bon, ben ça y est, parano, j'ai vu Barry en sapin de Noël. Oh putain, par contre, il est pas con sur ce coup-là. Hein. Pourquoi est-ce que la nuit qu'il a pas fait ça directement, ce con? Voilà. Bon, ouais. On a pas mal de munitions. Je suppose que. Avec ça, je vais pouvoir un peu défoncer. Le général de Bright Falls est devenu mon endroit préféré dans le monde entier. Vous voyez cette lampe? C'est comme un super pouvoir. Il suffit que je regarde un de ces trucs pour qu'il meure. C'est mon super œil de Sauron. J'aurais mieux fait de me tenir. Ouais. Hé, je veux une lampe frontale. C'est la dernière. Ordure. Ça y est, ils vont se faire la guerre pour savoir qui aura la lampe maintenant. Mort de rire. J'avoue que la petite référence au Seigneur des Anneaux, c'était pas mal. Ah. Allez. Dépêche-toi parce que là, il y a ma voix qui est en train de mourir aujourd'hui. Je suis tellement fatigué que... Colère dans la tête. Et qu'on est sur le point de monter dans un hélicoptère avec quelqu'un qui ne sait peut-être pas piloter. On sait qu'on est sur le point d'embarquer pour la zone X. Sans vouloir vous vexer, chérie. Cadeau. J'avais une grenade aussi, t'as gardé les cadeaux. Ah d'accord, lui il a carrément résisté là. Bon Barry, vu que t'es un sapin de Noël, tu veux pas te rendre utile? Ah putain, ils sont combien là? Voilà. Au moins les grenades, c'est efficace. D'accord. D'accord, tout est passé facile. Moi je pensais que j'allais limite devoir sauter. Oh, il y a de la lumière là-bas. J'espère qu'il y a l'hélico ici. Hein. L'hélicoptère est droit devant. Il va me falloir du temps pour décoller. Dépêchez-vous, je peux me tirer d'ici. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Bah défendre la zone, hein. Bah oui, hein. C'est ça la base, regardez. On vous mettrait pas des munitions, des grenades à flambant, hein. Enfin bref, tout ce qui est nécessaire pour tuer ces saloperies, s'il y avait pas un truc qui allait arriver, hein. C'est la base les enfants, c'est la base. Et en plus, hein, je fais de la pub inconsciemment pour Energizer, ah là là, ça c'est pas de la connerie. Bon, allez, on a l'hélico là. Bien sûr, Barry il va dedans et moi il me laisse là. Oh putain, superbe. Voilà. Oulala. Bon, attention, grenade capacitante, cadeau. Oh là là. Vite, vite, les grenades à capacitance, elles sont où? C'est bon? Personne? S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Vérifiez, vous avez mis la sécurité. Ouais. On va attendre, tu crois? Oh putain, super. Ils sont combien là? Ils sont combien? Cadeau. Cadeau. Allez, on allume. Ta maman, je vais te la niquer. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Chien fou. Ah, mais il y avait la pompe ici! Allez, change! Oh là là, oh des fusées éclairantes, ça va être bonheur je crois. Ouais, essaye de rester en vie. Comique. Allez. Allez, on peut rester en vie, on peut rester en vie, on peut rester en vie, je le sais.
ça va le faire, on va y arriver. On est un beau gosse. On va juste remettre la lampe vite fait. Et on va prendre le café avant de partir. Oh là là, j'ai peur. J'ai pas signé pour ça, moi. Je voulais juste écrire un roman, moi. Ouais, ouais, je vois ça. Bon, au moins il y a la grosse lampe, c'est déjà pas mal. Allez hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, fils de chien! Tiens, cadeau. Je m'en fous. Ah, je mettrai des piles s'il le faut! Voilà. Voilà. Oh, c'est bon là, on peut partir? Non? Toujours pas? Oh putain, vas-y, ça continue à venir. Ouais, ça continue à venir, hein. Ah, j'arrive. Wake, vous feriez mieux d'arrêter ça. Amenez-moi juste à Weaver, shérif. Tu risques gros en misant sur une illuminée notoire, Al. J'espère que t'as raison. Sinon, on peut dire adieu à ce bled. J'espère que vous savez ce qu'il faut faire, Wake. J'imagine que les New-Yorkais sont habitués aux situations de ce genre. Ouais, New York est un champ de bataille, on a King Kong, des alligators mutants et Alex Kazé qui flingue à gogo tous les week-ends. Écoutez, j'avais même jamais porté d'armes jusqu'à il y a quelques jours. Mon père a été flic à New York. Il m'a raconté de sacrées histoires. Des trucs de genre? Non, non, les trucs sordides habituels, comme dans vos bouquins, Wake. Je taquinais mon père en lui disant qu'il était comme Alex Kazé. Vous les avez lus? Oh, bien sûr. Vous écrivez très bien. Vous utilisez peut-être un peu trop de métaphores. Ah, on me l'avait jamais dit. On approche de la centrale électrique. Vous voyez le bâtiment éclairé? Et le barrage est par là, plus en amont de la rivière. Impossible de se poser là. Je vais me poser de l'autre côté de la rivière. Amenez-moi là-bas, shérif. Expliquez pourquoi j'ai qu'une petite lampe torche maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai qu'une petite lampe torche? J'ai qu'une petite lampe torche! Et j'ai même plus de piles! Ah d'accord, mais en fait j'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Super, je suis tout nu quoi. Oh là là. Si j'avais su que ça arriverait un jour. C'est marqué là? Darkness, Control, les Taken. Les Taken, je sais pas vous dire ce que ça veut dire, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est peut-être les possédés ou un truc dans le genre, mais... je saurais plus vous dire. On va traverser la cour, d'accord. Bon, déjà on va être dans ce petit truc là, peut-être qu'il y a un flingue qui traîne, on sait jamais hein. Après tout, oh comme par hasard, vas-y. Oh non, oh, si c'est un vrai, si c'est un revolver. Ah ouais, il y a plein de munitions pour les revolvers en plus. Ah bonheur. Si j'aurais préféré avoir mon gros transformateur. De la chaîne pour ouvrir la porte. Bien sûr, t'as un flingue. Tu peux pas me dire que c'est pas tiré à ton flingue là. Voilà. D'accord, j'ai même pas tiré sur la chaîne en fait, j'ai tiré sur le bois. Oh bonjour monsieur. Ça
C'est un magnifique quartier ici, je trouve. Oups! Oups! C'est combien? Toi, tu rêves, même pas en rêve. Allez, salut. Ouh, ma vie, qu'est-ce qu'il fait? Oula! Ouf, putain, le bol que j'ai eu là. Le bol. Oula là. Je l'ai esquivé de justesse. Hein. Ouais, c'est ça, mon cul, j'ai esquivé. Tu vas mourir, oui? Ta gueule, m'en fous. T'as beau passer en mode Super Saiyan, je te laisse pas passer en mode Super Saiyan. Non. Point de sauvegarde, super. Ah, il y a plein de trucs qui brillent. Ah, ça veut tout dire, ça. Ça veut dire qu'il va y avoir une guerre. Il va y avoir une guerre. La seconde guerre mondiale, ici. Je suis... Ah, il y a un truc qui brille, là. C'est quoi ça? Hop. Faudra quand même m'expliquer pourquoi il y a autant de trucs ici. Hein. Il n'y a pas des grenades ou un truc dans le genre. Ah ouais, d'accord. En gros, je pars à la guerre, c'est ça. C'est un bon poste pour les oiseaux. Hein? C'est qui? Oh merde! Focus le gros là. Ouais, tu étais ma top priorité et maintenant t'es plus rien du tout. Maintenant c'est toi ma top priorité. Allez, viens ici, gros. Viens, je t'illumine. Je t'apporte la voix du Seigneur, mon fils. Allez, tiens. Ouh putain, d'où il sort lui. Tiens, cadeau. Alors, tu fais moi le malin, hein. Tu fais moi le malin. Ça lui a même pas fait mal, ils sont sérieux. Ils sont sérieux là. Oh putain. Voilà, toi t'as eu ta dose. Toi t'as eu ta dose aussi. On va utiliser le pont parce que sinon ça va pas le faire. Merde. Mais ils sont combien là? Il faut arrêter là! Allez! Mon. Ils sont trop nombreux là! Mais putain, mais esquive! Allez, ça y est, ça va me saouler ça! Ça va me saouler là! Les esquives qui passent pas là, ça va m'énerver puissance 1000! Bon allez, je crois qu'on va plutôt essayer de se barrer. Ça ira peut-être plus vite. Ouais, c'est ça mon cul. Bon, tant pis. Allez, ça a pas marché, tant pis. Je m'en fous, on va se barrer, je vais pas les affronter, j'en ai marre. Je vais courir, et si ça marche pas, j'arrête cette vidéo parce que ça commence à m'énerver. Allez, vas-y quoi, je prends déjà un coup d'entrée. C'est la fête au village. Vous aimez pas ça? Eh ben tant pis. M'en fous, je vais vers la lumière. Nah. Voilà, vous êtes niqué. Je garde toutes mes munitions au passage. Et vous avez pas intérêt à revenir d'abord. La centrale électrique brillait dans la nuit. Elle était proche. Mais je devais trouver un moyen de traverser. Bah la nage comme tout le monde. Voilà. Moi j'aurais plus d'ennemis au cul maintenant. C'est quoi ce bouton? Ardent. Bonjour. On va te dire que si il est tout seul, ça va. Voilà, t'as eu ta dose. Et sur ce, je m'en vais. C'est
Ça, c'est problématique. qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? De la lumière, cool. Allez, on prend tout ça. Alors, par quel côté passer? Poum, 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 poum. Oh là là, oula, 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 oula. Non, toi tu rêves, toi tu rêves, toi tu rêves. Putain, pourquoi j'ai pas des grades à vlog glante? Allez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais moi le malin, hein. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Hein, avec tes couteaux, hein. Voilà, on va reprendre la vie. Alors, la question c'est par quel côté je passe maintenant? Est-ce que cette porte est ouverte? Elle est ouverte en effet. Oh putain! Je crois que je vais me barrer, je vais me casser. Est-ce que je peux utiliser encore le truc ici? Ouais, ouais, je peux. Casse-toi! Lâche-moi! Lâche-moi! Oh, tiens! Brûle! Voilà! Ça va, moi, on peut dire que ça aurait été efficace. Non, il n'y avait rien ici. Il y a une page par contre ici. Alors. Bon, on a des munitions ici. Par là. Non, de toute façon, même si ça avait été ouvert par là, j'aurais pas eu envie d'y aller. Oh, regardez-moi cette zone. Ça veut tout dire, ça veut tout dire, ça veut tout dire. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Allez, salut, bon. Non pas que je t'aime pas, mais voilà, j'ai pas envie de faire traîner la vidéo, là. Voilà, salut! Tu peux plus monter maintenant, vous pouvez plus m'avoir. Nanana, 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 nanana. Pourquoi il y a un fauteuil là-haut? T'as l'air con, hein? T'as l'air con à regarder, hein? C'est quoi ici? Ça va te parler en tout cas, c'est pas mal. Voilà, donc je les ai baisés, je suis trop fort. Voilà, même pas besoin d'affronter les gens, je sais, cool. Bon. Il y a des véhicules là-bas au fond. Est-ce que je peux prendre un véhicule? Bonjour, c'est pour la FedEx. C'est Chronopost, comment vous allez? Apparemment, je vais peut-être devoir faire descendre le pont. Ou un truc dans le genre. Oh putain! Ah, d'où il est sorti lui? Il m'a fait peur ce con. Putain. Oh, lance-fusée. Ça veut tout dire! Voilà. On va sortir. De toute façon, je suis armé jusqu'aux dents. Ils ne pourront rien faire. Et si jamais, il y a de la lumière là-bas. Mais pourquoi je sens qu'en fait ils vont être sur le pont? Une intuition. Ah, café! J'ai dit un café! On a toujours le temps pour un café. Ah, voilà. D'autres oiseaux. Ça, d'autres oiseaux. Ah, putain. Ah, bah ça fait ton nicotie. Ah. Fuck, mais lâchez-moi les oiseaux. Lâchez-moi. Ils sont sérieux, là? Ouais, c'était sérieux. D'accord, donc c'est les oiseaux qui vont me faire chier le plus en fait. Bon, c'est pas grave. Oh, allez, vas-y, je me gourre entre la touche pour courir et la touche pour la lampe torche. Il y a des trucs que ça brille. C'est beau. Bon, de toute façon, je vais baiser ce coup-ci. Vous allez voir, je vais. Hein?
Ah, j'ai cru qu'il faisait demi-tour pendant un moment. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Hop. On va venir les oiseaux. D'autres oiseaux. Attends, les oiseaux. Ça vous aimait, hein? Bon, désolé, je me protège avec... Cassez-vous les oiseaux, cassez-vous. Je dois survivre, je suis le héros de l'histoire, je ne peux pas mourir. Vite, on se casse. Qu'est-ce qu'il y a ici? Excellent. Alors, est-ce que je peux prendre cette voiture? Ah bon, direction de retour. Bonjour! On a réussi à semer le troupeau! Vous êtes presque à la centrale! Continuez! On vous épaulera! Est-ce que je vais pouvoir profiter de la lumière là? C'est la question. Est-ce que je peux profiter de la lumière qu'il m'offre? Ah bah non, je peux pas. Sa mère! Apportez-moi de la lumière! Oh mais non, mais ça sert à rien. Allez, ça sert à rien. Ça va m'énerver. Bon, allez, je reste encore une fois. Putain, ça sert à quoi de mettre de la lumière si elle sert à rien? Dites-moi. Dites-moi à quoi elle sert cette lumière. Regarde. Ah bah finalement celui-ci est utile. Ah bah celui-ci finalement c'est très utile même. Qu'est-ce qu'il y a gros hein? Hein? J'ai mon pompe. Allez c'est bon, vas-y cochon. Avance. D'accord. Allez vas-y avance. Allez, Black, il arrive. Est-ce qu'il y en a un qui arrive par derrière? C'est la question que je me pose. Parce que si on a aucun qui arrive par derrière, je vais pouvoir me le faire facile. Allez! Aïe! Voilà, je me suis fait le gros. Venez ici. Oula! C'est quoi qui brillait là-bas? J'ai vu un truc qui était brillait ici. Pas une fusée à main. Allez, je crois qu'on est bon là. On peut continuer à avancer. Dis ma poule, dis-moi où vont être les prochains ennemis. D'accord, ils vont être ici. Ah bah non. D'accord. Vous appellerez. Pas d'inquiétude, je vous enverrai un SMS, il n'y a pas de problème. Ah. Niquez les oiseaux, niquez. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi Alan regarde sur le côté comme un con? Alors, quel côté? Plus d'ennemis, j'espère. Est-ce que je peux avoir un moment de tranquillité dans ce jeu? Bah non, j'ai pas droit à mon moment de tranquillité, malheureusement. Ouais, plus de merde. Ouais, je fonce. J'en ai trop ras-le-bol. Qu'est-ce que toi, Luce? Salut! J'ai reconnu le logo sur le panneau de la centrale. J'en avais vu la reproduction peinte dans toute la zone. Il indiquait des réserves de matériel cachées. Ne faites pas un pas de plus!
Miss Weaver, Cynthia, je suis un ami. Prouvez-le. Vous connaissiez Zen, Thomas Zen. Vous êtes la dame à la lumière de la chanson. Vous pouvez m'aider. Il était temps. Jeune homme, je vous attendais depuis très longtemps, vous savez. C'est dans la pièce illuminée. Pardon ? Ce qu'il vous faut pour repousser les ténèbres. La pièce illuminée se trouve au barrage. Je l'ai construite pour le protéger. Ça m'aidera à trouver Alice. Ça me ramènera au chalet. D'accord, allons-y. Je peux demander à mes amis de revenir avec l'hélico. Oh, on ne sortira pas. Jamais la nuit. C'est la règle numéro un. Vous n'avez pas respecté les règles, jeune homme, et vous avez vu le résultat, hein ? Non, j'ai un chemin secret dans la lumière. Une vieille canalisation. Quelque chose a été abîmé dans la cour du transformateur. Ça pompe toute l'électricité. Sans elle, plus de lumière dans la canalisation. Il faut couper le courant vers la cour. J'imagine que c'est à moi de le faire. Jeune homme, c'est vous qui aimez enfreindre les règles. Je ne peux pas sortir dans le noir. Le disjoncteur est dehors. Bon. On dirait qu'on touche à la fin, là. Ah là là. Bon. J'espère... Ah. Qu'il y a ici. Ça sert à quoi ce machin? Pourquoi j'ai pu l'ouvrir? Allez, salut, je rentre. Ouais, la lumière ici. C'est bon. Oula. Oh, c'est bon, rush où tu veux, mais moi. Allez! Voilà, j'ai niqué le plus important, c'est le bon. Oui. Tu voulais quoi, hein? Tu voulais ça, hein? Tiens! Oulala. Aïe! Ouh, non, 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 toi, on va pas s'entendre! Voilà, maintenant on s'est entendu. Weaver m'avait envoyé couper le courant vers la cour du transformateur. J'étais prêt à tout pour l'aider afin qu'elle m'aide à son tour. J'espérais que Weaver était fiable. J'avais basculé dans cet univers délirant une semaine auparavant. Elle, cela faisait des dizaines d'années. Oulala, mais elle est loin le transfo. Un moment de la lumière ici. Ah va. Ah ouais, d'accord. Je pouvais voir l'interrupteur qui couperait le courant vers la cour du transformateur. Maintenant, il me fallait l'atteindre. Est-ce qu'on fait ça? Hop, si je fais ça. Non. Ah, attendez, on va appuyer. Voilà. On va bien trouver le code qui permet d'activer les trois. Et ben voilà, fini, fait, facile. On va l'enlever. J'espère que je vais pas me faire attaquer ici. Ça serait quand même con. Qu'est-ce qu'il est marqué là? Rouge to keep the eyes on. Elle a mis plein de munitions ici. Ça va encore dire que je vais me faire agresser après, vous allez voir. Conçois ces choses. Ah ! Oh super. Conçois ces choses. Voilà. Donc au final, je suis baisé quoi. Voilà. Ah d'accord, va falloir jouer à ça. D'accord, d'accord, on va jouer à ça en gros. En gros, hop, ça y est, c'est bon, il y en a un qui arrive, hop, on court et hop, et ainsi de suite. Bon, c'est pas encore trop difficile pour le moment.
Voilà. Bon. Alors. Je suis armé jusqu'aux dents. On va pouvoir le faire. Même si je me fais attaquer, j'ai de quoi me défendre et de courir. Salut mec. Désolé, vous êtes trop nombreux. Cadeau. Ah non, je vais pas me prendre la tête. Hein. Oh putain, super. La porte qui me fait chier maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Non, tronçonneuse man, il est où? Moi je l'ai eu. Oh putain, je vois plus rien! Mais je vois plus rien! Je suis où? Non, là t'es à moi, je m'en fous, t'as plus de ténèbres, t'es à moi. Allez, c'est bon, on va gérer là. Putain, déjà, j'ai tout ce que j'aurais dû faire, c'est ça quoi. Hop. Pff, quel gâchis quand même. Allez, je suis de retour, mamie. Je suis parti sans ça! Oh le con! Oh le con! Suivez-moi! Allez, la canalisation est vide maintenant, on y va! Par ici! Il faut y aller! Je les connaissais tous les deux, Tom et Barbara. Oh, j'étais tellement éprise de lui! C'était un si bel homme! J'étais jalouse. Et une partie de moi s'est peut-être un peu réjouie lorsqu'elle a eu. Cet accident. Puis Tom a commencé à écrire et à réveiller les ténèbres. Il a tenté de la ramener, mais c'était impossible. On paie forcément un jour ou l'autre. Je commence à m'en rendre compte. Dans ce cas, jeune homme, vous êtes sans doute plus futé que Tom ne l'était. La sorcière ressemblait à Barbara, mais ce n'était pas elle. Barbara était gentille. Il était trop tard lorsqu'il a fini par comprendre. Il a voulu faire marche arrière, écrire pour tout effacer. Lui, elle, tout ce qu'il avait pu créer lui-même. Il était très célèbre. Mais après ça, tout le monde l'a oublié. Oh, Tom. Il m'a confié quelque chose avant ça, au cas où ça se reproduirait. Une garantie. Il me faisait confiance. Oh, il m'utilisait un peu. Tom savait que je l'aimais et que je ne pourrais rien lui refuser. J'ai construit la pièce illuminée et je l'ai placée là. Il n'attendait que vous. Nous sommes des personnages prisonniers de vos écrits. Et nous mourrons tous si rien n'est fait pour arrêter les ténèbres. Elle changera l'histoire pour parvenir à ses fins. Comment vous savez ça? Tom, c'est ce qu'il avait écrit. Il me parle toujours, vous savez, à la télé, depuis l'au-delà, depuis les profondeurs. Nous avons tous les deux été envoûtés par les ténèbres, jeune homme. Il nous a sauvés avec la lumière. Mais les ténèbres restent en nous et nous marquent. Cette canalisation nous conduira à la pièce illuminée. D'accord. Je dois appeler mes amis pour leur dire où on va. Allô ? Anne ? Barry, on se dirige vers le barrage par une canalisation. Retrouvez-nous là-bas. C'est Sarah maintenant? Ah! Non! Putain, c'est ma voiture! Barry! Barry! Il faut qu'on aille voir s'ils vont bien. Ils sont sûrement morts. Vous devez vous rendre dans la pièce illuminée. Ce n'est pas le moment de jouer les égoïstes. C'est mon meilleur ami! Alors faites l'imbécile! Je continue. Rendez-vous au barrage si vous survivez. Au moins, je n'avais pas à me soucier d'elle. Elle savait comment se protéger. Saute de ma gueule, là. Putain, il avait le barrage et tout, rien que pour lui, là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh, je vais aller dehors, là! Ben oui! Putain, pourquoi est-ce que les héros de jeux vidéo sont tous des idiots? Putain, quand le joueur du grenier a dit ça, je le comprends maintenant, sérieusement.
Et ça commence. Ah non, c'est bon. Voilà. Ah là, les corbeaux, vous allez pas me faire chier longtemps. Allez, hop. Voilà, vas-y, essaie de passer par ça maintenant. J'ai pas que ça à foutre, les corbeaux. Moi, j'aimerais bien essayer de finir ce chapitre. Allez, allez-y, essaie de passer là-dedans. Que je rigole. Oh, ils ont même pas envie. Enfin bref. Voilà. Non, ça c'est une histoire de régler. Enfin, c'est qu'il y en a encore plein d'autres. Et bien sûr. Pourquoi je sens que je vais le faire attaquer? Non, même pas. D'accord, tant mieux. Allez. Oula, je vais y tomber. Ah. Saleté. Saleté de corbeau. Mourez. Ouais, faut se grouiller. Paris, Sheriff Breaker, Sarah. Le crash avait été terrible, mais j'avais comme l'impression que l'épave était vide. Allez, allons-y. Alors, je fais quoi? Je fais le fifou, je cours, je m'arrête pas, ou alors j'affronte les ennemis qui... Oh, bon. Paris! Paris! Je sais pas. Ah, bon. Voilà. Ça c'est fait au moins. Elles iront pas loin comme ça. Allez les gros, viens ici. Voilà, terminé. Vous savez comment faire impression, Way. On était sur le point de jouer les Butch Cassidy et Sundance Kid. J'ai une idée de fin différente. Ouais, ça va. Merci d'avoir demandé. Je savais que t'irais bien. Comment ça? Le super œil de Sauron. Tu peux ricaner, pauvre clown. On devait pas aller quelque part? Weaver sera au barrage. Allez, espérons que ça marque la fin du chapitre. Presque toute la nuit à courir, pourchassé par une horde de démons qui veulent vous trancher la tête à coups de hache. On sait que son hélicoptère s'est écrasé dans la zone X. Wouh! Bon sang! Al, faut faire gaffe, hein! Au moins à 3, je me sens déjà mieux. Hein. Continuez d'aller à la salle de sport. Vous voyez ces lumières? C'est l'ascenseur qu'on va devoir prendre. Bon. Il est où l'autre con là? Allez hop. Rien ne peut bouger comme ça. C'est impossible. Ah! Al! Fais quelque chose! Que je fasse quoi? Je sais même pas où il est là. Il va trop vite! Y'en a partout! Combien est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'il est passé? Bah, c'est pas vrai! C'est fini? On craint plus rien? C'était... Waouh! Ça devrait aller. Hé, hey, Al! Je le sens pas du tout. Restons sur nos gardes. On peut pas rester ici jusqu'à demain, Al! Allez! Wake, appelez l'ascenseur. Je monte la garde. Je crois avoir entendu un truc bouger. Je m'en fous que t'as entendu un type bouger. Moi, j'appelle l'ascenseur. Ah. Attention, ils arrivent. Oh non. Oula, j'ai fait quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un effet ralenti là-dessus?
Ouais, ça a l'air bon là, on gère. Aïe! D'accord, tu joues à ça toi? Aïe! Ouf! Ouf! Oh, je suis légèrement en train de mourir là. I'm bleeding, bitch! Bon, Paris. Mais t'es où, connasse? Ah, t'es au loin, d'accord. Ah oui, ça y est, il est là. Oups! Allez! On y est presque. Il y a une entrée au sommet du barrage. Quel est le plan, Wade? Weaver est dingue. Mais elle a un truc que Zane lui a confié et qui pourrait régler tout ça. Bon sang! Tu pourrais pas être un peu plus clair? Thomas Zane? Vraiment? Pourquoi pas Superman ou le Yeti tant qu'on y est? Oui, mais lui, il a existé. Allez, on est chaud. Je suis pas prudent, moi. Je m'en fous, je fonce. Je suis un ouf. Oh, la lumière, je fonce. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh merde. D'accord. Je maintiens le bouton enfoncé. Ah d'accord, faut le maintenir enfoncé, ouais. Allez. Allons vers la lumière. Putain. Mais allez, bien sûr! Bien sûr! Hein, fallait que ça arrive! Qu'est-ce qui se passe? On peut atteindre le barrage par ici! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Passez devant et trouvez Weaver! Elle doit être dans le barrage! Je vais devoir atteindre le haut tout seul! D'accord, Wade! Bonne chance! N'allez pas vous faire tuer! Al! Fais bien attention, s'il te plaît! Je prendrai soin de Barry, Wade! Faites bien attention à vous! Comique! Ah, bah, superbe! Ça va être par là. J'espère que c'est une blague. J'avoue, j'espère que c'est une blague aussi. Bon, l'avantage c'est que les... Bon, c'est que des ombres, je veux bien continuer. Et autre. Allez, là. Ah bah oui, mais lui il est bugué. Vas-y, reste dans ton coin, vas-y, voilà, boum. Couché, j'ai dit. Ah, elle a dit coucher. Ok. Ah bon, on a carrément atteint l'heure de vidéo là. Ça faisait longtemps. j'en peux plus. Ah bah si j'ai démonté par là, ça va. Hein. Pas la mort. Enfin, j'espère. Si le pont se casse, j'arrête cette vidéo. Qu'est-ce que je dis? Super. Y'a plus de lumière. Et en plus de ça, il y a des corbeaux. Saloperie, mais lâchez-moi. Je commence vraiment à avoir du mal là. The Wallet Room. Allez, on y va. On y est presque. On peut le faire. Il y a de la lumière ici. C'est cool. La pêche est un hobby et un métier. Ça, c'est moins cool. Allez, venez, mes loulous. De la lumière à revendre. On va pas le faire chauffer. Ça va, vous me regardez là? Vous n'avez pas envie de venir en fait, c'est ça? Voilà. Bing, voilà.
Bon, on a fini. Oh non, derrière, je suis sûr. J'en vois un là-bas. J'arrive pas à la voir. Ah bah, il bouge ce con. Allez, viens. Tiens, c'est bizarre, je vais ici, il bouge plus. Voilà. Je crois que j'ai tout su là. Si ça a pété, c'est que j'ai tout su. Faut se casser! Par où? Par où? Par où? Faut échapper à l'ombre, faut échapper à l'ombre, faut échapper à l'ombre. Vas-y, wake! Ah! Ah! Oh maman, oh maman. Oh putain! Ah, oh, j'aime pas ça. Oh putain. Allez, vite, vite, vite! Ouh! Mon dieu, que j'aime pas ça. Allez. Je pense que c'est pas une course contre la montre, un coup dedans, un truc dans le genre. Je crois qu'ici, même en courant comme ça, ça devrait le faire. Voilà. Oh putain. Oh! Oh putain! Oh, j'ai réussi par. Ah non! Et merde. Maniabilité de merde. Franchement, ouais, qu'il se bat, il se manie comme s'il avait un bâton dans le cul. Et ça commence à me gaver là. Ouh là 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 là. D'accord, bon. Allez, on peut le faire, on peut le faire. On a nos chances. Il suffit juste d'être dans les temps. Tant pis pour le café, rien à foutre. Voilà, on peut le faire. Oh ouais. Au revoir. Bon, c'est qu'elle se rapproche la tornade. Allez, cours. Ah. Vous avez réussi. Bien joué. Je suis contente de m'être trompée, mais c'était un gros risque à prendre. Ne vous inquiétez pas du bruit, on est en sécurité ici. Je m'occupe de la pièce illuminée depuis de nombreuses, nombreuses années. Vous ne verrez aucune ombre ici. Le système électrique est sécurisé et les ampoules sont comptées et changées régulièrement selon leur marque et leur modèle. D'accord. Ouais, elle prend du Energizer, quoi, en gros. Ça va peut-être être du racel, je sais pas. À savoir. Il y a une vieille base militaire à Raincove Point, au nord, qui a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'armée était ici à l'époque. Elle a dû construire cet endroit. Oui, c'est ça. C'est chez moi maintenant. Presque pas parano, la vieille. Hein. Ah, parano, parano, beatmaker. Allez, on peut rentrer? Ça. Comme ça, je n'aurai plus à me soucier de cette pièce. Car les ampoules 6, 33 et 118 doivent bientôt être changées. Et je ne veux pas grimper sur l'échelle pour le faire. Parce qu'il est très tard et que je suis fatiguée. Et que si vous le prenez, je n'aurai plus à faire tout ça. La page était autobiographique. Un souvenir de mon enfance. Mais je ne l'avais pas écrite. C'était une page écrite par Thomas Zen. Aucun d'eux n'était censé exister. Alan, 7 ans, luttait de toutes ses forces contre le sommeil. Lorsqu'il s'endormait, il se réveillait bien vite en hurlant, des visions de cauchemars plein la tête. Un soir, sa mère vint s'asseoir sur son lit et lui remit un vieil interrupteur. En activant le rupteur, comme sa mère l'appelait, une lumière magique s'allumerait pour chasser les monstres. Pour que ce talisman soit le plus puissant possible, sa mère ajouta qu'il lui avait été remis par le père d'Alan. Le garçon ne l'avait pas connu, et tout ce qui lui appartenait devenait merveilleux à ses yeux. Le rupteur serré dans sa main, Alan s'endormit enfin comme un bébé. Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, Alan y songeait,
alors qu'il se tenait sur la rive de Cauldron Lake, le rupteur à la main. Il respira à fond et sauta. Mon esprit bouillonnait. J'avais remis le rupteur à Alice, pourtant il était là. Zen l'avait créé dans une histoire que j'avais moi-même écrite. Je peux l'atteindre maintenant, je peux arrêter tout ça. Précédemment, dans Alan Wake, j'ai écrit une histoire d'horreur devenue réalité, tout comme Thomas Zen dans les années 70. Vous n'irez pas plus loin. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. C'est une histoire d'horreur. Personne ne survivra. Vous connaissiez Zen, Thomas Zen. Vous êtes la dame à la lumière de la chanson. Il m'a laissé quelque chose pour m'aider. Le rupteur. Alan y songeait, alors qu'il se tenait sur la rive de Cauldron Lake, le rupteur à la main. Il respira à fond et sauta. Je peux l'atteindre maintenant. Je peux arrêter tout ça. J'avais la gueule de bois. Ma tête allait exploser et la lumière me faisait mal aux yeux. J'avais besoin de lunettes de soleil et d'antalgiques pour calmer la douleur. Dans l'un de mes plus grands moments d'égarement, j'ai même juré d'arrêter de boire. Bob, on va s'arrêter ici, hein, déjà quasi 1h10 de vidéo. Donc sur ça, je vais vous laisser, on approche très prochainement de la fin. Alors, enfin, de la fin du chapitre 6, enfin, quand on sera au chapitre 6, enfin, normalement, on y est, normalement, si je sais encore bien compter. Normalement, la fin du chapitre 6, c'est le truc final, sauf qu'apparemment, il y a deux chapitres bonus qui expliquent mieux le jeu, donc ça, je crois que je ferai ça. Les deux derniers chapitres, je les ferai peut-être en bonus plus tard, mais pas tout de suite, parce que vu que Darksiders 2 et Sleeping Dog arrivent très prochainement, je ne pense pas avoir le temps d'arriver jusque-là. Donc, sur ce, je vais vous saouler. oui, je vais vous saouler, oui, tout à fait. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la... Et comme d'habitude, j'ai trouvé pour le cul. Allez, sur ce, je vous laisse. Peace, bye, plein de poutous partout. Et amusez-vous bien.